sont revenus. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Cette chaîne. On peut pas envoyer le gosse. Non. Apparemment le gosse il veut pas. Ici. Il veut pas bosser. Ici alors. Va libérer la chaîne. Ah, c'est par là. Oui. Allez. C'est pas le moment, petit. Allez, on y va. Oh. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Prends ton temps. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Le gosse est bien. Il est pas chiant. Les conversations en fait elles sont pas chiantes. Il est pas casse-couille le gosse, on a pas envie de l'éclater parce que des... Qu'est-ce qu'il dit? Parce que des fois dans la plupart du temps les jeux ils sont chiants les enfants. Enfin, écoute-moi. De temps en temps. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Genre l'enfant que j'avais bien aimé, je sais plus son nom, c'était dans The Last of Us. Ça c'était bien. Et là, Atreus est cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On descend? On va des... Je viens de là, non? Non, je viens de là-bas. Ok. On va voir. Ellie, je crois. C'est Ellie son nom? Par où je passe là. Les visages de la peur. Nous avons trouvé cet affreux masque dans la portion dangereuse à la rivière. Essayons de trouver d'autres et peut-être quelqu'un acheter à bon prix. Ah! Qu'est-ce que... Ah, j'entendais bien un truc bizarre. C'est quoi ça? Les yeux d'Odin. Ah, les espions d'Odin, d'accord. Ah!
Qu'est-ce que t'es, toi? Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas, dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Pourquoi je ferais ça? Tu avais raison. Ouais, quelque chose. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'escater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Cool. Tâche de ne pas me décevoir. Je pense qu'on a trouvé le forgeron. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. C'est bon, entrez. Amélioration d'armes, des nains. J'aime pas les nains. Si vous voulez améliorer les équipements et que vous possédez déjà ou fabriquer de nouveaux. Amélioration d'armes. Brock vous a donné. Une flamme de glace, c'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde nous permettent de fabriquer des équipements et de les améliorer. L'équipement de Kratos dispose de niveaux de puissance, de stats améliorés, la hache, pour augmenter ses niveaux ainsi que la force, afin d'accroître la puissance globale de Kratos ou ses stats. Amélioration d'armes. Ça affiche ici, appuyez sur L3 pour inscrire les stats. Vous augmentez les dégâts infligés par les attaques runiques en augmentant les runes. Vous pouvez réduire le temps de récupération des attaques runiques en augmentant la récupération. Chaque attaque confère un avantage de combat, appuyez sur L3 pour masquer les runes. Pour vous améliorer un objet, le niveau de puissance de ses stats obtenus s'affiche sur la carte de l'objet et sont aussi reflétés sur le tableau de stats de Kratos. C'est comme ça qu'il augmente de niveau en fait, faut augmenter les stats des équipements, c'est ça? Améliorer une arme de façon permanente permet d'augmenter les stats ou de vous équiper d'autres objets pour influencer les stats de Kratos. Les ressources nécessaires à l'amélioration de nos jets sont affichées sur le bas de la carte. Améliorer la hache. De nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. Ok, bon, il faut des flammes de glace pour monter de niveau. Ah, facile niveau 2, trouver une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration. En améliorant vos armes, vous débrouillez des nouvelles compétences pour acheter. Pour les acheter, allez dans l'onglet compétences. Amélioration d'armes, ok. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Merde, déjà. Y'a de la place pour moi? Ouais, tant que tu casses rien. J'étais pas prêt.
pas prêt du tout, je pensais pas qu'on allait combattre directement. Bref. Va, j'arrive. J'ai essayé le maintien de R1 là, mais en fait ça me laisse vulnérable aux attaques. Quand il est ça là. Oh, ouais, eux ils s'en foutent en fait, ça les stun pas du tout. Devenir comme lui? Je suis pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne? C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Qu'est-ce que ce sera? Ok, on va voir, attends, bonne après. Chance avec tout ce saccage. Visez un tonnerre pour charger la hache. Avoir réussi à lancer, tu présumes un point faible, cousin, appuyé sur triangle pour faire les clés rappeler. Ok, d'accord, c'est pas mal. Pas mal. Ah, ça on prend. Je pense qu'on va quasiment tout prendre. Putain, il y a plein de trucs quoi. Bloquer les projets derrière un moment, absorbe l'impact et rend le projet à son émetteur. Oh, c'est pas mal ça. Bon, qu'est-ce qui s'est caché? Alors. Pour le petit, c'est de l'acier doux pour le gosse. Garde un œil sur ces trucs, tu veux? Besoin d'autre chose? Point de conception. On part sur quoi? Cool. Qu'est-ce que ce ah merde. Je m'occupe. Ça, il y a plein de choses. Protection et après on a.
force, rune défense. Ok, d'accord. Alors, on a moins de force, on a plus de défense. C'est bof. Là, on a plus de force, moins de défense. On a que ça. Ouais. Et pour le petit ? Les ennemis en l'air subissent plus de dégâts. Les ennemis étranglés par Arthur subissent plus de dégâts. Même Arthur a trouvé des pierres de guérison quand Kratos est blessé. Oh ! J'ai être fou. Ça protège déjà. Il y a moins à frapper. Permet à Atreus de trouver des pierres de guérison. Ah, il va peut-être m'en donner en fait. Il va peut-être en faire apparaître de temps en temps, je pense. Un oubli peut-être. Alors, on reste dans le coin pour causer un peu. Brock. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Il n'y a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Quoi? Tu veux que je t'embrasse? Fiche le camp! Pardon. Ouais, c'est marrant. Bon, gamin, trouve-moi des pierres. Ou pas. Bien. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Grand Chauve Ingrat ? Hé ! Grand Chauve Ingrat ! Viens là ! Je te préviens ! Coffre. Je pense pas que c'est là qu'on... Tu m'as laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Waouh. Non, je crois que c'est... Je crois que c'est le chemin, en fait. On va revenir. Allez, avance. Ah, oh, je l'avais même pas vu. Voir à quoi il ressemble. Désolé. On vient d'ici. Ok, t'as bon. On a juste à continuer. Ou alors là. Cet endroit vous fera pas de cadeau. Ok, on va parler en premier. J'essaye de visiter, de tout découvrir. Hein, donc le chemin c'est par en haut en fait. Okay, ça marche. Alors il y a quoi là? Oh attends. Bienvenue ici. C'est juste un raccourci. Il y a un rat. Oh.
C'est qu'on a tué les... les bandits. Est-ce qu'on peut quitter cet endroit? Ça marche. Ok. On peut continuer. Je me demande pourquoi on a... on a débloqué un raccourci en fait. On va récupérer les objets de soins. Ouais, c'est parti. Pour ressortir. Je pense qu'on peut aller par ici. Par ici. Toi d'abord, petit. Très accueillant. Aha. Sympathique. Attends-moi ici. Cool. Oh!
T'es pas censé me trouver des pierres, toi? C'est toi, tu m'inquiètes, en fait. Quand les dégâts infligés par les flèches... Ok, ça marche. Pas exactement ce que ça veut dire, genre permet de trouver des pierres quand je suis blessé. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par là. Je pensais pas que j'allais l'attraper comme ça. Atreus, avec moi. C'était marrant. C'était pas prévu du tout. Comment on va faire ça? Oh putain. Les pics étaient trop bas. Oh, non. Faut pas tout recommencer quand même. Faire tomber la hache dessus en fait. Ah, oh la vache, j'ai eu peur. Putain. Je vise la bonne chose ou quoi? Ah!
Oui. J'essaie en fait de faire passer la hache en la faisant tomber sur l'objet, mais ça marche pas. Ah, on va augmenter notre vie. Enfin, je crois. C'est pour la rage. C'est pas pour la vie, c'est pour la rage. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Oh, c'est mignon. Mignon. Oh, bien vu. Hey, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme. Y a peut-être un indice quelque part. Il y a un truc à geler. J'ai l'impression que ces cercles devraient tourner. Ok, on va chercher un peu. Ouais, il n'y a pas autre chose. Pas d'objet à récupérer. Non. Les cercles tournent. Redescends. Ah, ok. Ok. Putain, le puzzle chiant quoi, avec la hache surtout. Famille, c'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslos. Il s'est passé quelque chose. Ça me rappelle le cinquième élément. Ça a marché. Truc avec les runes et tout ça, là, le côté mystique, c'est marrant, sympa. Je suis content d'avoir rencontré Brock, mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant.
Oups. Qu'est-ce que c'est que ça? Une flèche. Il y a des... Ah, on a, en fait, il y a des runes un peu partout, je crois. Atreus, que se regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Chasser. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Chasser. On va peut-être trouver des gentils. Oh la vache, non. Oh merde! Ok. En deux coups, il me tue quand même. Hein. C'est un peu chaud. Faut que je fasse une pause après ce boss. Finir le jeu en un... Non, en un stream, non, ça va pas être possible. Surtout avec cette difficulté là. Ça va pas être possible. Oh, man.